Salut tout le monde, c'est Willis et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une application. Alors le nom de cette application, c'est SpeedCubeNote. Cette application est disponible seulement sur Android. Et le concept de cette application, c'est d'apprendre les algorithmes. Alors là, il y a toutes les OLL, de la première à la 57e. À gauche, il y a le cas de l'OLL. Et juste à droite, il y a l'algorithme. Quand on clique sur l'algorithme, ça nous envoie vers une vidéo. Comme vous pouvez le voir. Alors là, il y a aussi les PLL, encore, il y a toutes les OLL encore, les PLL, pardon. Là, il y a quelque chose pour le blind, c'est des algorithmes et des cas. Et là, pour le 4x4, il y a les deux parités, OLL et PLL du 4x4. Là, il y a des algorithmes de Pyraminx. On clique dessus, ça nous envoie vers une vidéo encore. Là, il y a Flip Center. Par contre, ça, je ne sais pas à quoi ça sert. Si vous savez, vous pouvez me le dire. Mais voilà. Là, il y a toutes les notations internationales. Il y a les basiques, les U, les L, les B, etc. Et aussi, il y a celle qu'on connaît moins. Il y a E, S, etc. Et il y a les rotations. Alors là, il y a un timer, mais le défaut de ce timer, c'est que les scrambles sont que pour le 3x3. Donc voilà. Si on clique au milieu, et si on maintient, ça nous démarre le timer. Et si on reclique au milieu, là on n'a pas besoin de maintenir. Ça nous l'arrête. Alors là, si on clique sur l'œil en haut, ça nous met le cas du mélange. Là, c'est leur Facebook, je pense. Ça doit être ça, comme vous pouvez le voir. Hein. Et là, par contre, où il y a trois barres, je sais, enfin, à chaque fois, j'ai désinstallé l'application, etc. Mais il doit avoir un bug vu que à chaque fois ça me renvoie de l'application. Donc voilà, ensuite il y a reboot, et ça sert un peu à rien, voilà. Et aussi la chose que j'avais oublié de dire, c'est qu'il y a deux thèmes, un thème bleu et un thème rose. Donc voilà, j'ai fini de présenter l'application. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a que vous pourriez télécharger l'application. Et à la prochaine.